Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour monsieur Fabius. Bonjour. Jusqu'à présent, le soutien politique des Européens a été quand même relativement tiède. Est-ce que l'affaire des otages en Algérie modifie la donne et conforte la position française? Écoutez, pour ce qui concerne ce qui se passe en Algérie, nous sommes en train de suivre tout ça et je m'exprimerai en fonction des événements. Pour notre réunion d'aujourd'hui, j'ai souhaité que nous ayons cette réunion des ministres européens pour parler du Mali et en présence du ministre des Affaires étrangères du Mali. Parce que, bien évidemment, la France est un précurseur, mais il est normal que la solidarité européenne s'exprime. J'attends de cette réunion, d'une part, qu'il y ait une décision ultra rapide pour envoyer toute une série de militaires européens pour former effectivement l'armée malienne, c'est le premier point. J'attends aussi que l'ensemble des pays européens fassent des efforts sur le plan du développement et sur le plan financier. Et puis je vais voir ce que mes collègues sont prêts à faire pour aider tout cela, parce qu'il faut bien comprendre que même si la France est précurseur, tous les pays européens sont concernés par le terrorisme. Merci.